Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue dans le DLC de l'ombre de la guerre, la lame de Galadriel. On fout une merde pas possible à bord d'un Caragor. Dissident, bah alors. Hop là. Les vrais bails, les vrais dégâts. La bouboule de feu. Allez, Caragor, monte à bord. On y est. Mange-le. Ah, je peux pas le manger. Mange-le, mange-le, regagne de la vie. Il faut que le Caragor survive à tout prix. Le Caragor doit se nourrir. Allez, mange. Pourquoi? Parce qu'on a une épreuve où on doit buter un Grog à bord d'un Caragor. Et pour ça, il va nous falloir une stratégie, brave Jean, bien évidemment. Une stratégie qui nous permettrait de vaincre un adversaire beaucoup plus fort que nous à bord de notre poupée. Il le mange. Voilà. Mange-le lui. Mange-le lui. Excellent. On a regagné pas mal de vie. On commence à être bien confortable. Nourris-toi, chaton, nourris-toi. Excellent. Oh là 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 là. J'aime bien quand les épisodes ils commencent comme ça, tu vois. Avec un poupée qui se nourrit. Oh, qu'il est beau. Bon. Tu paieras cette jambe au prix fort. Bien, 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 bien. Tu paieras cette jambe au prix fort. Sauf qu'il est mort, l'orque, il ne sait pas ce qu'il dit. Ok, très bien. Victoire totale. Maintenant, il faut qu'on trouve de quoi invoquer un Grog. Un bon gros Grog des familles. Du coup, là, par contre, il y a le creuseur, mais il a l'équipement du chasseur. Donc, j'imagine qu'avec tous ses poupées et ses caragors, tout ça, il va me défoncer. Il est peut-être intéressant de faire demi-tour et d'aller voir si on peut pas choper du matos pour invoquer un Grog dans la zone. Ça doit exister. Vous savez, les espèces de grands morceaux de viande qui traîne depuis le plafond. Ça, non, ça invoque des ghouls. Ça, ça invoque des caragors. Ça, ça invoque des araignées. Ah, le gros morceau de viande dont je vous parlais. Excellent. Boum, petite flèche. Et nous, en attendant, on va essayer de se planquer là où il n'y a pas d'orque. On va récupérer des flèches au passage. On se met dans les fourrés. Bon, je pense pas qu'on soit vraiment secret. Non, les gens nous voient de là. Et ça a invoqué un Grog. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est attendre que le Grog soit affaibli. Genre bien bien affaibli. Et lorsqu'il sera bien affaibli à cause de tous ces orques à la con qui lui tapent dessus, on lui fera une petite attaque exécution avec notre barre pleine. On peut qu'espérer que ce plan ne se passe qu'à merveille. Enfin, on peut aussi tomber sur lui. Non, c'est bon, nickel. Nickel, 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 nickel. Excellent. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que les orques fassent le taf de notre position qu'on qualifiera d'avantageuse. On peut peut-être même en mettre dans la gueule à... Putain, mais il régène en fait. Ah, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Il n'y a pas assez d'archers et trop de guerriers au corps à corps, ce qui fait que le gros peut régénérer comme ça la muse. De plus, il est en train de les démonter, mais comme des tables. Peut-être invoquer là, avec ça. On invoque des Caragors. Peut-être qu'une guerre entre Caragor et Grog nous permettra d'avoir l'avantage stratégique. Parce que là, pour l'instant, c'est pas concluant. Ou du moins peu concluant. Il y a un Caragor sur le terrain, mais il a l'air de pas vouloir s'intéresser de près ou de loin. Il mange quelqu'un, mais il est déjà brisé. Ok. En tout cas, il y a un archer, il fait le taf depuis tout à l'heure. C'est un lancier, mais en tout cas, il bénisse soit cet orque. Il fait complètement le taf. Brisé, c'est pas mal. Voilà, c'est bien ça. Tant que le gars au corps à corps continue de l'occuper, tu vois. Ça, c'est une attaque, il faudra y faire attention. Je pense qu'on est quand même pas mal. Pas que je lui fasse du vrai mal, on va descendre. Histoire de l'intéresser à nous. Viens nous voir, viens nous voir. C'est ça, viens la bébé.
il est en train d'être affaibli. Attention, le caillou. Le caillou. Ok, ok, il est presque au zéro de vital. J'y crois, c'est maintenant. Ouais, allez. Allez. Ouais. Bien joué. On lui a sauté à la gorge et il est mort. Oh nom 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 nom. Oh, le câlin de la victoire. Ça, c'est un bon coupé, ça. Il a voulu partager sa joie avec l'orque. Malheureusement, l'orque est mort. Comme un caca, ce sont des choses qui arrivent. Excellent. On lui a chié sur le fion. Amélioration. Oh, ouah, ouah, c'était quoi cette coiffure chelou Skrillex? Ok, donc maintenant on sait que Eltariel a une coiffure chelou Skrillex. Ok, très bien. Réalisez des attaques à d'autres bêtes consommant 25% de la santé max de votre monture au lieu de votre puissance. C'est cool, on peut faire des coups critiques maintenant à bord de la BB-8. Récupération de santé plus rapide. Alors moi je veux plus de dégâts, je veux des dégâts de coups critiques s'il te plaît. Voilà, excellent. Excellent, excellent, excellent. Phew! Bon, et ben fin de l'épisode, chers amis. Non, c'est... Exécution, un capitaine ennemi exécute un autre capitaine et ses guerriers. Et ben voilà, on gagne un temps fou avec ce genre de truc. Voilà qui va nous rapporter de l'expérience. Ah, oui, d'accord, très bien. Je vois, je vois. Voilà. Ça demande un petit peu de travelling. Ça demande un petit peu de pathfinding, hein. faut trouver le bon chemin. Ben non, mais non, mais faut sauter là-haut, là. Ben alors, chaton. Bon, écoute, j'ai l'impression que chaton pourra plus nous aider. Enfin, à moins qu'on prenne ce poteau, là. Hop. Enfin, c'est un bon chaton, hein, bien sûr, mais il est limité. On récupère les flèches, on est bien. Cet épisode de début de Shadow, vous en faites pas, chers amis. On va passer à l'histoire principale tout de suite après. Juste, on commence avec des meurtres faciles, des exécutions gratuites et finalement de l'XP qui est offert. Voilà, ça, c'est un bon chaton. Excellent. Messieurs, bonjour. Oh, nom, 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 vous êtes libres. Ces esclaves qui se sentent forts. Excellent. Hop. Yop. 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 Et voilà. Phew. Mais non, mais non, mais ça, c'est un bon poupé, ça. Ah, c'est un poupé absolument adorable. Mais tu me dis pas qu'on peut pas faire la mission sans qu'avec le poupé? Ah putain, on est obligé de la faire sans le poupé. Très bien. Bon bah écoute, c'est pas grave. On reprendra l'adorable boule de poil quand on pourra. Oh là là, ce sourire. On dirait... Détache-moi. Et c'est toi qui y laissera la tête. On dirait un sourire de face-up. Qui d'autre est prêt à y aller? Hein? Qui est prêt? Moi, je le suis. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Comment allons-nous procéder? Est-ce que j'exécute directement la victime? Qui a fait une rayure sur ma lame? Alors, ça m'a l'air d'être une bonne idée. Vigilant face à la furtivité, ça ne marchera pas, du coup. Ça ne marche pas. Par contre, il est sensible. Enfin, insensible au poison, mais ça ne précise en rien qu'il est insensible au feu. De ce fait... Et merde. Ah, putain. Je me demande l'angle si chelou je du jeu. Pas dorer, mais quelqu'un qui rôde dans le coin. Et boum. Voilà, qui est valide. Et qui permet de me téléporter instantanément sur lui. Et de l'exécuter à sa place. Olrok le noble, décapité. Ah merde, attends. Oui, très bien. Très bien, de l'XP, super, excellent, merci beaucoup. Excellent, très bien. Boum. Je crains les flammes. Oulala. Il craint le poison. Petit poignardage du cul au sol. Insensible à la lumière. Est-ce qu'ils sont tous insensibles à la lumière? C'est un problème sinon. Je suis bloqué dans le piège. Arraché par les acrobaties. Allez. Tu sais combien de grog j'ai bu? Moi pas. Mais je sais que je vais te buter. Et après.
et après je boirai encore du grog. Et après je te buterai. Tu veux me buter encore une fois après avoir le prix du grog? Eh ben bois de l'eau. Ah donc elle... Non, ça marche pas. Putain, cette miche, j'ai failli la bouffer. Alors il faut que je tue un capitaine en étant full life. Donc ce qu'on peut faire, c'est esquiver la plupart de ses attaques, même s'il m'a touché. Attention, là il va peut-être grimper. Il monte. Il monte. Oh, la chope. Oh. Boop, boop, boop. Il s'en est remis très très vite. Pas de problème. Heal. Heal. Esquive. 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 Oulala, une petite chope. C'est bon, je suis full life, donc il faudrait que je le tue comme ça. Ragé par les acrobaties, on va attendre. J'aurais pas dû lui faire une acrobatie. Oh là, olé. Tout va bien. Petit coup d'arc. Paf. Et c'est fini. Oulie. Wow, 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 c'est pas fini. Et là, c'est fini. Oh. Et du coup, ça compte? Ça compte, ça compte, ça compte, ça compte. Ça compte, ça compte, ça compte, ça compte. Ça compte. Oh là là, cette armure de platine. Oh. Ah bah voilà. Ça, c'est une armure elfique. Là, on me respecte. Là, on me parle. Tu as un ennemi au cours large elfique. Je ne l'ai pas encore, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est amélioré. Ça, on l'a amélioré. Est-ce que j'ai amélioré la cape magique aussi? Oui, j'ai tout amélioré. Très bien, excellent. Il manque que la dague. Et... la dague et la cape originelle que je n'ai, dont je n'ai pas encore les matériels nécessaires pour les améliorer, donc pour l'instant ça ne sert à rien. Mais en tout cas, oh là 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 là, oh là 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 là, rouler comme une elfe, hein. Rouler comme une elfe. Alors du coup, le brise-toile, tout ça, non, histoire, l'architecte, allons-y. On avait dit histoire, et le nonne tient ses promesses. Un nord qui bâtit au lieu de détruire, le Mordor réserve bien des surprises. Galadriel qui est surpris de comprendre que les orques ont une culture en fait. D'ailleurs on a eu un bel exemple de la culture orque quand elle a parlé à Talion au début de la forteresse. Où ils étaient là, bon bah Michel s'est tué, Jackie s'est fait empoisonner par Jérôme. Mais il a eu le temps de tuer Jérôme, qui a nié bien sûr mais qui est mort quand même. Puis Jackie est quand même mort du poison. Du coup, bon bah y a plus personne. La vraie culture elfe. Je te vois, l'elfe. T'as déjà vu une victime se faire écharper par une dizaine d'ouroux en même temps? Ma beauté. Ça dépend, sur quel site internet? Ouh, dans la tête, il a bouffé. Insensible à la lumière, comme tous les autres. Ah putain. Tac. Bon combo ça. Ça m'a presque fait de la peine. Double esquive. Enragé. Bam. Insensible à la lumière. Et voilà. Je voulais lui faire un coup critique, enfin je voulais lui faire une exécution mais j'ai raté mon coup. C'est pas grave, il m'a donné une gemme. Donc il ne donne que des gemmes et il ne donne pas d'équipement, très bien. Excusez-moi les poupées. Les poupées qui dorment, je les dérange, pardon. Et voilà. Excusez-moi, je suis désolé. Par la maman. Hadouken. Ça c'est génial. Ça c'est génial. Ok, allons-y, l'architecte. Phew.
Tous les orques ne se consacrent pas à la destruction. Il faut bien qu'il y ait un connard qui organise les choses par ici. Trouvez un ologue appelé l'architecte et utilisez son savoir-faire. En plus, il est doué, hein, si c'est lui qui a fait toutes les forteresses qu'on a vues précédemment. Tenez-vous prêts ! Les bestioles vont débarquer ! Voilà le Remios ! Oh là là, il est trop pur stylé ! Vous sauvez suffisamment. Ah, attendez, en plus, cet orque, excusez-moi, mais cet orque, il est responsable de toute la logistique de Talion. À chaque fois que Talion est là, non, c'est Arbeka le mystique qui commande la forteresse. Non, attendez, je choisis ce maraudeur. Non, attendez, je voudrais ce mec je voudrais ce mec de la tribu du massacre. Et lui, à chaque fois, il est là. Très bien, vous avez entendu ça, les gobs? C'est simple, on refait toute l'architecture. Mais pas trop, on l'a refait hier soir, on a mis les dorures comme vous voulez, et toute l'architecture est symétrique, exactement comme dans les plans. Il a dit du massacre. Je veux des peaux, je veux des entrailles, et que quelqu'un fasse quelque chose à propos de ce temps. Le temps, monsieur? Oui, je veux que ce soit plus rouge. Il faut attendre le crépuscule, monsieur, il est 11h du matin. Je veux que ce soit rouge. Le mec, c'est Léonard de Vinci, version orc. Il a fait toute la forteresse, le gars, il peint des tableaux dans son temps libre. Oh là 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 là, ça c'est un orc avec qui j'aimerais jouer aux échecs. Vous entrerez dans ses bonnes grâces. Salut, une alliée. Ah, tu as entendu parler de mon travail? On a des mois en retard. La portée, la portée. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça s'est bien passé. J'admire le travail que j'accomplis. Mais non seulement j'admire, mais je l'applaudis. Je dis pas hologue, je dis monsieur. La prouesse architecturale de tout le Mordor. La première du genre. Une forteresse souterraine. Invulnérable à toutes les formes d'attaque. Quand on aura chassé ces saletés de gules, t'es avec moi. Disons que je ne suis pas contre. Et l'ologue, même pas ça le gêne de parler c'est à une pas elfe. Du travail, c'est une punition. Préparez-vous pour une nouvelle poisson de gueule, les gars. Ah, c'est ça, il donne un coup de marteau au sol. Les forteresses souterraines vont pousser partout. En voyant celle-là, tous les chefs suprêmes en voudront. Disparaissez devant la lumière. Oh la vache! Donc c'est pas lui qui a fait l'effort des morts là, mais la machine avec les briques en rouge c'est lui, les maraudeurs c'est lui, les ténèbres c'est lui, mais pas les hors-la-loi. C'est vrai que les hors-la-loi c'est juste 2-3 planches à la con, à l'arrache, qui sont montées. Les hors-la-loi finalement... Mes archers! Merde! C'est Arcaro qui me les a prêtés! Ça va pas lui plaire! Mon espèce ouvrier tranquille! Je vais rejouer du Remios pour ces saletés! Quoi? Vise ses fûts! Allez, exterminer! C'est bon. Non, tu vas trop loin là. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est clean. Oh là là. Oh là 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 là. Mais c'est lui qui a fait toute l'organisation quoi. Ah, il est génial cet orc. C'est lui qui fait les statues, c'est lui qui met les arches, les voûtes, les en châteaux. En ce moment, on est au-dessus de la cour principale de la forteresse. Magnifique. Quelle autre statue comme celle-ci? Mais plus grande. Oh là 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 là. Je tiens à dire que je suis positivement impressionné. Je joue principalement au radar, chers amis, hein, je tiens à le dire. Il m'a empoisonné. Voilà. Le radar qui t'indique où se trouvent ces saletés. Et qui te permet de faire un ménage d'autant plus efficace.
Ouh là 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 là. Ah putain. Allez. Allez. Ah c'est bon. La matriarche, la matriarche, la matriarche, esquive. Hadouken. 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 Esquive. Hadouken. Esquive. Hadouken. C'est bon. Ouh là 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 là. Elle a disparu dans son caca, mais en attendant, El Tariel, elle est où, elle est où? Elle était en train de faire un mouvement ultra pur stylé, on le verra pas, c'est pas grave. Phew. Ah. L'effort de guerre, c'est tout. Ça, c'est mon chef-d'œuvre, elfe. Dédié à la gloire des orques, au Mordor lui-même. Impressionnant, en effet. Tu t'es montré efficace. Et comme j'ai plus d'archers, j'aurai besoin de protection. Je paye pas beaucoup, mais tu vas te couvrir de gloire avec moi. Je te prends à mon service. Je ne te décevrai pas. Bon. Je me suis fait recruter. Tu me plais, toi, petit orc. Je suis une elfe. Pas de force. Espérons-le. Il manque de modestie, mais pas de force. Excuse-moi, El Tariel, excuse-moi. Mais pour une espèce qui a une espérance de vie de 12 ans et demi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein, côté artistique. Hein. Toi, t'as fait quoi dans tes 3000 ans de longue vie, El Tariel, hein? T'as appris le Kama Sutra? Et pourquoi? Jamais l'appliquer, finalement, hein? Parce que les hommes elfes passeraient plus de temps à rester sous le clair de lune et à parler de la beauté du nirvana, du plaisir qu'ils seraient capables de les infliger. Alors que si tu sortais avec un homme, hein? Si tu faisais comme Arwen, là, hein, si tu faisais comme Arwen, la reine elfe, la vraie Arwen, hein, sans pitié, hein, qui va avec avec notre ami le rôdeur j'ai oublié le nom d'un des héros principaux du Seigneur des Anneaux. Alors c'est beau, hein. Ça c'est haut, ça c'est les vrais professionnels, on est bien. Aragorn, merci, voilà, c'est ça. Si tu fais comme Arwen qui sort avec Aragorn, hein. On sait pourquoi Arwen est sortie avec Aragorn. Et là, mais oui, mais c'est parce que c'est un humain, mais notre amour est pur. Tout ça. Alors que techniquement, Aragorn, il a 12 ans et demi dans la culture elfe. Mais vous savez pourquoi elle sort avec? Elle sort avec parce que le mec, il la défonce. Parce qu'il l'attaque à une il l'attache à une chaise et il la prend comme ça sauvagement contre un mur. J'étais le dernier Uruk encore debout quand notre armée a capitulé. Quoi que tu me fasses subir, j'ai déjà vu pire. Mais j'étais en train de discuter. Et je disais donc, il la démonte. Comme une chaise et comme un meuble Ikea, hein. Ce qui est somme toute parfaitement compréhensible. Voilà. Dire, y a pas de mystère. Je veux dire, le mec en face, c'est une elfe. La fille, elle sait même pas ce que c'est une bite. Et le gars, il se ramène, il lui fait la technique de l'arbre blanc du Gondor. Qu'est-ce que tu veux qu'elle tienne le coup? Je veux dire, Aragorn, c'est quand même le descendant d'Isildur. Non, je te laisserai pas me tuer aujourd'hui. Et la prochaine fois, je serai mieux préparé. Y a pas de mystère. Ouli. Et ben voilà. Il était pas prêt. Bon. Il était clairement pas prêt. Enfin voilà, pour moi ça ne fait absolument pas de mystère, je crois. Excellent. Et j'ai récupéré la gemme qui va avec. Super. Bon, pas mal. Ok, du coup, la suite de l'histoire. L'arc de Morgoth. Renforcer vraiment en recrutant l'arc de Morgoth, ça doit être lui, Arcaïus, qui lui a prêté les archers. Du coup, allons-y. Mais du coup, le voilà. Le partisan de Talion dit que cet Uruk est un maître à l'arbalète. Nous verrons bien. Au final, les elfes ont été détruits à cause de leur hubris, finalement. Le fait d'être constamment hautain, de constamment considérer qu'une race qui a une espérance de vie plus faible est forcément inférieure, et au final, ils se sont fait bouffer la gueule, et ils se retrouvent dans la forêt à jamais baiser, à manger de la salade, et à jouer de la flûte. Tout ceci est la tristesse, brave gens. Renforcez vos rangs en recrutant l'arc de Morgoth, brillant archer d'une ère révolue. C'est pas un archer, c'est un arbalétrier. Bon. Il rate sa cible. Comment c'est possible? On avance. Il nous aura pas tous. Dépêchez-vous.
Oh, ce sniper! Cachez-vous pour éviter l'arc de Morgoth. Hop là! Là, c'est dans la ligne de mire ou bien? Laissez pousser là! Alors on pourrait peut-être en parler plus tard! Non? Ah! Viens là, toi. Lâche-moi! Quand même, c'est un vrai sniper. Hein. Son arbalète, elle fait tellement de bruit, ça résonne. Hein. Cette saleté d'elle! C'est bon là? Tu l'alignes? Tu l'alignes lui ou bien? Oh là là! Il est fort! Une minute! Oh là 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 là! Ce roi sorcier, je suis sûr que c'est une bouton. Putain, je l'ai bouffé quand même celle-là. Il fait pas bon se retrouver en face. Moi, mieux de faire. Allez, un petit heal. C'est plus propre et plus rapide. Je pouvais pas me téléporter genre sur toi, genre. Ah! À l'épreuve des flèches. Aïe 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 aïe. Bien joué. Eltariel, prenez garde quand vous lui parlerez. Ne mentionnez pas mon nom si vous voulez la voir à vos côtés. Bien compris. Pourquoi il a une dent contre Galadriel? Oh, il est stylé! Je t'ai regardé tuer, mon madame. Tu n'es ni un rogue, ni une alliée de Sauron. Dis-moi, est-ce que ces rogues sont vraiment bons à quelque chose? Ils savent plutôt bien mourir. Mon nom est l'Arc de Morgoth, et je résiste seul au spire du usurpateur depuis bien trop longtemps. Battons, côte à côte. Og! J'en ai marre de te voir massacrer tous mes gars, l'âme! Je vais mettre un terme à ta misérable existence! T'es Drake. Problématique. Bon. Ya! Bim! Bim! Trop stylé! Bim! 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 Ouah! Ouah! La petite esquive! Ça, c'est elfique, mon gars. En tout cas, lui, il est brisé. Je l'ai! Ya! Pas de Gundam! Il parle de Morgoth avec une telle aisance. Je rappelle, Morgoth, c'est un peu Satan quand même, donc. C'est compliqué. Putain, mais les flèches qu'il leur met par contre! Oh là là! Un cinquième de vie, quoi? Ah, c'est un orc qui déconne zéro. Allez, vas-y, vas-y. Brûle, brûle, brûle. Ou quoi que. Écoute. Hop! Nickel ça. On gagne un temps fou somme toute. Hop là. Ah, et voilà. C'est bon. Comme c'est agréable de se battre avec une archère. Comme tu n'es pas redevable à l'imposteur, tu vas te mesurer son armée à mes côtés. Comment refuser? Il a une armure elfique quand même, c'est très très stylé. Hein. Level up! Augmentation de la taille de mon sbire. Et on a même gagné. Morgoth était un adversaire sinistre et plein de haine. S'il savait que l'un de ses partisans les plus loyaux finirait par collaborer avec une elfe, il serait furieux. Morgoth, j'ai l'impression que s'il savait que quiconque collaborerait avec quoi que ce soit qui respire, il serait vénère, j'ai l'impression. Cherche un mystérieux log ayant des liens avec un grand pouvoir au moment, le servant, le serveur. La tribu de la machine est active dans cette zone. En l'affaiblissant d'abord, votre tâche sera plus facile. Ok, la tribu de Tigre-Bois, très bien. Celui-ci sert à Arachné. Soyez prudente. J'ai déjà eu affaire à elle. Je ne la crains pas. Je
me demande si ce premium paysan est toujours. Regardez, c'est la femme elle. Bah, Arachné, elle est quand même très très vénère, donc on va essayer d'éviter de se la foutre à dos. On va être gentil avec son orque, hein. Allons-y. Chercher un mystériologue avec un en lien avec les grands pouvoirs au Mordor. Oh là là, il a l'air d'avoir beaucoup trop d'araignées sur lui, le log. S'il se prend pour une araignée, je rigole. S'il fait une toile avec des cordages, ce sera très 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 drôle. Elles savent quel pouvoir tu détiens. Ma maîtresse sent la piqûre de sa lumière. Elle a dit que tu viendrais me voir. Tu n'as rien à craindre, Kirmizold. Je suis Ar-Barouk, et je viens te proposer mon soutien. Formidable! Et que me coûtera cette offre généreuse? Des fous adeptes de la machine empiètent sur le domaine de ma maîtresse! Chasse-les donc! Très bien, Entendu. Pas de soucis, entendu, avec... grand plaisir. Leurs machines ont besoin de minerais. Mais ma maîtresse repose sous leurs pieds. Tue-les! Afin qu'ils cessent de creuser par ici. Bon, eh bien, messieurs, bonjour. Ces enfants t'aideront. Voilà. Eh bien, tirez sur les lignes d'araignées pour les faire sortir. Ils sont où les lignes d'araignées? Il y en a. Comme ça. Excellent. Ok, je fais sortir toutes les... Aïe, aïe, je fais sortir toutes les araignées de la planète. Voilà. Sur 15, ça fait quand même pas beaucoup de morts à cause des araignées, je trouve. Hein. Ça reste problématique. J'essaie de suivre ce que le gameplay me demande. Cependant, ça n'est pas vraiment un succès intégral. Tête baissée serait trop risqué. Je ne souhaite pas sacrifier ces merveilleux enfants si ce n'est pas nécessaire. Vas-y d'abord. Je ne t'aiderai qu'en cas de besoin. Attention, il y a 3 capitaines qui gardent cette zone. Méfie-toi d'eux. Bon, les gens ont l'air d'être en train de mourir à cause des araignées, c'est plutôt positif. Il me faudra encore 3 mecs qui meurent, un mec qui meurt. Victoire! Excellent! Bon, très bien. Ah, le voilà. Il a fallu un temps fou pour mettre ce site en route. J'ai plus qu'à trouver de nouveaux gardes et des ouvriers. Mais d'abord, je vais te tuer. Mako. Vulnérable à la lumière, my. Peur de l'immobilisation, insensible au feu, au poison et au gel et aux exécutions, c'est problématique. Et c'est un gardien du feu. N'allons pas trop vite, je tiens à ce que ça fasse mal. Grisha. Lui, à l'épreuve de tout, met des flèches spécifiquement. Il a le contre, mais il a une grande force. Mais il a peur des exécutions et dégâts par la lumière, j'aime lui aussi. J'aime pas quand on parle, j'aime quand ça crie. Très bien, dégâts par exécution, insensible à tout, insensible à l'univers, sauf aux exécutions. Eh ben putain, il a un contre-mortel, donc il faut lui faire une exécution depuis l'arrière, sinon on se bouffe. Subissez le coup venimeux de ma maîtresse et de sa progéniture. J'ai récupéré la bande de la vie. Oh là 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 là, je suis au sol, mais direct! Bon. Je m'en prends une, mais je suis déjà no life. Oh là 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 là. Bon. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun d'entre eux n'est insensible à la furtivité. Et le problème, c'est que... Ah oui, mais bon, il se level 30, par contre, il va se faire démonter, donc il faut absolument que je le... Il faut que je le défende. Je vais
Il y en a un qui est insensible à la lumière, mais lui il ne l'est pas. Allez, c'est bon ça. Juste à épreuve des flèches. Ah putain. Ah putain. C'est bon, il m'a perdu de vue. Ouh, bien joué ça. Phew. C'est sûr que tout d'un coup Marissu elle est plus si forte quand c'est toi qui la joues, j'avoue. Tac par surprise. Il l'a tellement pas vu venir celle-là. La lame du chasseur de bêtes, le couteau du chasseur de bêtes. Oulala, j'ai subi un empoisonnement. Oulala, par contre, c'est pas bon du tout le fait qu'il soit... Ah putain, elle me met, il me met au sol. Mais il faut absolument que je l'occupe. Il faut absolument que je le vainque. Parce que l'autre il est à zéro de vital. Même pas que je lui laisse l'occasion de faire une attaque, tu vois. Oh putain, super! Excellent! Au zéro de vital, c'est la victoire! Ouais! Bravo Arbarouk! Phew! Eh ben putain! Comment ai-je pu douter de ma maîtresse? Tu as respecté ta part du marché. Je te suivrai tant qu'elle ne m'en dissuadera pas. Excellent! On a monté une équipe! Parfait! Parfait! Son dévouement envers Arachné est remarquable. Je me demande quel sort elle lui réserve une fois qu'il ne lui sera plus utile. Pas dit qu'elle lui fasse du mal, hein, c'est Arachné. Elle peut peut-être le manger, mais honnêtement, je trouve qu'Arachné, elle a été plutôt... plutôt légite, en fait. Hein. Oh là là, 5 points d'aptitude. Oh, mais c'est le temps de faire péter du level. Rage elfique, maximum. Souffle de lumière. Maintenez, laissez appuyer sur X pour créer un flash de lumière, repoussant les ennemis proches et les imprégnants de lumière. Pas mal. Déflagration, quand la puissance est pleine, tu... Voilà, fais le petit toucher facial. On va acheter ça. Et enfin la rage elfique. Vous deviendrez aussi temporairement invisible. Ah ouais d'accord. Oh la vache, tu deviens invisible et en plus tu les fais disparaître. Mais du coup ça te donne l'occasion de faire une attaque furtive sur un boss, ce qui est surpuissant. Et toi les filles, quand la puissance est pleine, appuyez sur RB pour en mode à distance pour un globe de lumière. D'accord, donc ça c'est l'équivalent de ma flèche secrète. D'accord, ça imprègne les ennemis de lumière, mais ça soigne aussi mes potes. Maintenez RB pour placer un piège aveuglant les ennemis pris dedans. Voilà. Ben on va acheter tout ça et on va essayer d'y penser. Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme coup spécial du coup? Comme coup spécial, déflagration. Donc on a la chope qui fait exploser les mecs au corps à corps, le souffle de lumière avec X enfoncé, la rage bien sûr, le piège, il faut qu'on y pense. Et enfin, l'étoile elfique avec la flèche spéciale qui fait un dôme de chaleur. Ok, très bien. Ok, très bien. Ce piège de lumière, il est placé là. Attirons donc l'attention du colonel fils de pute. Petit. Si je peux améliorer ma cape une fois pour toutes, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qu'on peut améliorer là? Cet arc il est déjà amélioré. Frappe spirituelle sur les ennemis à dos de bête. D'accord, très bien. Ce couteau aveuglé 4 ennemis avec un seul piège de lumière. D'accord, je comprends. Tu es furtivement un capitaine en chevauchant à Karagor. Ouais. Et enfin, cette épée. Ah, les contres effectués en moment éliminent instantanément les soldats ennemis. Ça a l'air très utile. Dégâts de mêlée accrus de 250% contre les bêtes. Tue un capitaine avec une bête.
Très bien. Bon bah écoute, on essaiera de faire quelque chose avec ça. En attendant le piège lumière, je dois donc piéger 4 ennemis. Si je trouve ce que c'était, je la mange. Ça compte ou pas? Aïe. Ah. C'est, ça compte, super. Dague de la chasseresse, terminé, c'est bon. 4 ont été aveuglés par la dague magique. Oh, et voilà, ça c'est des vrais couteaux. Je peux m'équiper avec ça. Tuer furtivement un capitaine en chevauchant un caragor et tuer un capitaine avec, un, avec une bête en général. Ça veut dire que du coup, si je le tue furtivement avec un caragor, mais avec une bête, ça revient au même. Donc je peux faire un double amélioration. Utiliser frappe spirituelle sur les ennemis à d'autres bêtes. Donc à chaque fois que je vois un connard à dos d'un caragor, il faut que je pense. Il faut que je pense à le tuer. Voilà. Pardon. Tiens, attends, essaye. Ouais, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Ouais, c'est bon, y'a plus personne pour me sauver. Oh, je suis mort. Que le début. Bientôt, Sauron lui-même connaîtra mon nom. Je suis trop con. Oh, c'est... Et ben voilà, c'est la fin du DLC Deltariel. Alors que je testais mes super pouvoirs, je pensais vraiment pas que ça prendrait autant de temps à charger. Que ça prendrait 30 ans à charger la super attaque. Orthog a gagné un casque et il mérite sa place. Barbe de métal, exactement, voilà. Y'a personne pour me sauver, j'avais plus les trucs pour me sortir de cette situation foireuse. C'est pas grave, tout va bien, on maîtrise bien évidemment, brave Jean, la situation. Je suis ressuscité parce que j'ai l'anneau. Fort heureusement, j'ai le second anneau unique, qui est du coup plus trop unique, mais c'est pas grave, ça compte. Dans tous les cas, chers amis, je vous fais de gros bisous et je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. Allez, sous. Bonjour. Oh, oh. Et ça, tu vois, c'est presque un dab. Putain, elle a quand même la tête de William Dafoe, hein, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Une mâchoire pareille, ça veut rien dire. Allez, zou. Je sais pas ce que c'était.